Yo tout le monde, c'est Loué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 Lille-Toulouse. Sur ce, bon visionnage!
Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette belle soirée de football. Enfin, belle soirée, façon de parler, car on nous annonce de la pluie dans les minutes qui viennent. Pour l'instant, les deux équipes en sont épargnées. Elles vont pénétrer sur la pelouse dans quelques minutes. Le temps pour nous de vous communiquer l'info principale que vous attendez tous, la composition de ces deux groupes. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf. C'est parfait pour ce match. L'arbitre donne le coup d'envoi. Walcott. Jolie accélération sur l'aile droite. Et le centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Voilà une bonne occasion de contre. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Débordement côté gauche. Il met le ballon dans la... Giroud ! La réponse du gardien ! Le dégagement. Forlan ! Un long ballon vers l'avant. Oh, le contre, l'arme fatale ! Walcott ! Il s'échappe côté droit. C'est bien ce qu'il fait là. Voilà un corner et la pression qui augmente. Ce sera le premier corner du match. Ça va vite, oh, s'il lève la tête. Un bon centre. Oh, l'occasion. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et c'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Bon dégagement, bien joué. La passe est précise. Ça joue à gauche. Toulouse qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but à votre avis, Darren ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Lille qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. La passe dans la profondeur. L'arbitre assistant n'a pas le... Giroud ! Et pourtant, c'était un caviar au départ. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça. C'était une occasion en or. Oh, c'est un arrêt important, ça! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. La défense, bien présente. Boussoufa. Lille, qui cherche l'ouverture. Maggio! C'est Maggio qui centre. C'est dégagé, loin devant. La faute. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. Oh, il s'en sort bien, l'arbitre ne sortira pas de carton ce coup-là. C'est un coup franc très intéressant. Et on pourrait assister à l'ouverture du score. C'est un corner pour Lille. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. Le bon dégagement. Allez, ça doit... Walcott !
bien repoussé par le gardien. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Danger repoussé pour le moment. Forlan, bien servi sur le côté. Jean Moutinho. Il peut y aller. Moutinho. La parade de McGregor. Ça peut partir en contre. Lille, qui est quasiment hermétique en défense depuis ses 5 derniers matchs. Blin qui récupère ce ballon. Voici Giroud. Giroud! Et ça ne passe toujours pas. Thiago Silva, qui est récompensé de son pressing. Van Def. C'est le moment de centrer. C'est bien fait, ça. Forlan. Van Def. La parade de McGregor. Et l'arrêt, magnifique. C'est un super arrêt. Fine save. C'est dégagé. Jean Moutinho. Voici Giroud. Giroud. C'était presque au fond. Ça va soulager un peu. Mais pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ça joue sur la gauche. Les attaquants doivent participer à la récupération, il en est le parfait exemple. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui, ça devient un peu la norme. Ça joue à gauche. Il tente de la jouer dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Un centre tendu, à ras de terre. Jean Moutinho. Long ballon dans le sens du jeu. Boussoufa qui cherche la faille. Pour trouver la faille dans la défense. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué long, attention. Difficile de tirer. Énorme occasion! Et c'est la pause ici. Lille qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Il joue dans l'espace. Il peut frapper.
Il ne se pose pas de questions. Quelle fait du bien cette interception. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Longue ouverture sur le côté. Jean! Ça peut être extrêmement dangereux. Il est passé. Oh, quel geste! Il est sur le côté, il peut tenter un centre. C'est Pandev qui centre. Le bon dégagement. En jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. Le gardien loin devant. Imbula. Le Toulouse Football Club qui possède un grand entraîneur comme il l'a prouvé à la dernière journée. J'avoue, oui. Bon, moi je n'ai jamais été un grand fan de ce manager, mais il faut quand même reconnaître qu'il a des éclairs de génie. Ah, et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Ça sent la frappe. Oh, la frappe. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. La tête! Il manquait pas grand-chose, là! Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Pandev! C'est Pandev qui centre. C'est dégagé, loin devant. Et ils vont effectuer cette touche. Forlan. Forlan. Et le raid côté droit, il a du soutien. C'est bien donné. On peut y aller. Oh, c'est dedans. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent mais à la perfection. Voilà un but qui va le relancer au classement des buteurs. Lille qui effectue un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. On y est, le compteur est débloqué. L'entraîneur est face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique? Lille qui soigne ses statistiques. Cette équipe marque très souvent entre la 60e et la 75e minute. C'est joué long, attention. C'est dégagé, loin. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Voilà un marquage très agressif. C'est pas étonnant, vous, ce qu'il leur a déjà fait. Il y a peut-être un coup à jouer. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Un peu d'oxygène pour sa défense. Oh, Forlan. Et ce ballon vers la surface. C'est dégagé.
Il a trébuché sur cette intervention. Cette attaque n'a pas pu se développer. Forlan. C'est bien fait. Bien servi. Il décide d'allonger le jeu. Mesut Özil. Il est bien placé. Imbula qui allonge. L'excellente intervention du défenseur. Et il tombe sous la pression. C'était une bonne intervention. Mais le ballon a franchi la ligne. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Il était fini, crevé, cabot comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Il file vers le but. Attention, la frappe. C'est une occasion. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Faut qu'il fasse gaffe de ne pas trop s'exposer. Bonne intervention. Il change le jeu. L'interception au bon moment. C'est joué long, c'est dangereux. Encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire. Et le ballon est sorti, touche. L'ouverture lumineuse. Jean. Oui, il peut frapper là. Oh, le gardien est là, la classe. Oui, il était bien concentré, bravo. Il relance côté droit. C'est reparti, ils peuvent contrer. Le jeu repart vers la droite. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, le bon ballon. Ça joue. Il frappe. Oh, c'est un arrêt important, ça. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Ça n'a pas été facile pour eux aujourd'hui, mais le match s'est décanté en deuxième période. On s'est régalé d'arène vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!